Le club Dorothée va commencer. Ah, ça va. C'est juste l'heure des publicités. Ouf, ça va. Ah. C'est qui m'appelle? X34. Allô? Ouais, ça va et toi? Ça va, ça va. Il y a le club Dorothée qui va commencer là. Ouais, ouais. Quoi? Ils ont dessiné la suite? Ah non, non, ça tombe au vraiment moment. Non, non, ça tombe pas. Non, non, il y a le début d'être qui va commencer. Et la confrontation avec Boo et Sangoku, c'est le dernier épisode. Alors, je peux pas louper ça. Ah non, non, non. Ouais, mais je sais, mais bon, voilà, attends, tu à chaque fois tu coupes le coup. Oui, t'as plein de choses à me dire. D'accord, ok, j'arrive. Bon, t'as de la chance qu'il y a Sailor Moon, hein, tu le dis. Bon, allez, à toutes. Chaque fois il tourne toujours au mauvais moment lui. Minère ça, il a toujours réponse à tout lui. Et toi, qu'est-ce que tu me regardes là? Un rôle générique? Producteur, mais le producteur, mais un rôle générique, allez. Ah, je vois que le dessinateur a dessiné la suite. Bon, Capix, montre-nous le chemin pour accéder à ton fameux bateau volant qu'on rigole un petit coup, là. Allez-y, rigolez, rigolez! Mais quand vous allez voir, vous allez être surpris. Ce n'est pas un bateau comme les autres. Bon, attendez, avant d'aller plus loin, j'ai fait des recherches sur la mise à jour d'Hyrule 2.0 et plus particulièrement pour le mode Fight. Mais pour des gardes, vous allez avoir des chocottes. Eh, c'est très intéressant, tu peux nous en parler vite fait? Bah, c'est très simple en fait. Quand un monstre t'attaque, le mode Fight va s'activer automatiquement. C'est alors qu'une bulle invisible vous protège du monde réel. On appelle ça le monde virtuel augmente. On veut voir une Nemo! Je veux dire une démo, désolé. J'ai toujours des problèmes avec ma mémoire qui marche au diesel. Allez, c'est toi qui t'y colle, Link 84. Je suis sage comme une image, je suis collé. Allez, ben, répétez, allez. Tout d'abord, tu peux voir en haut de ton apparence tes stats comme tout RPG. Voilà, et maintenant, tu peux voir sur ton écran qu'un monstre va t'attaquer. Ouais, ouais, je vois un monstre, et alors? Mais ça va pas ou quoi? T'inquiète pas, maintenant Curtis va te soigner. Il a refait son avatar et il a choisi la classe soigneur. Attends, Link 84, prends pas une potion. Je vais te montrer mes talents de soigneur. Mais il est pas passé un incroyable talent, hein, Curtis? Waouh, ça va mieux. Merci Curtix. Comme on dit, mieux avatar que jamais. Et voilà, et plus tu fais des combats, plus tu vas gagner des points d'expérience. Et comme ça, tu seras de plus en plus fort. Mais tout le monde sait ça, Link 64. Oui, il le sait, mais il préfère le répéter pour ceux qui suivent la série et qui ne connaissent rien au RPG. Bande de nous. Maintenant que vous prenez le mode fight, on peut avancer parce que DBZ va bientôt commencer là. Il y a quelqu'un là-bas. Allons lui parler. Bonjour jeunes aventuriers en herbe. Je suis l'enquêteur d'Hyrule 2.0. Mon rôle est de donner des quêtes annexes aux aventuriers qui veulent augmenter leur niveau. Ah, ça tombe bien. Nous sommes à la recherche de quêtes annexes en ce moment pour augmenter nos niveaux avant de faire la deuxième tour des dieux. Présente-toi, malheureux. Nous sommes la guilde des Link. Ah, il y a Sailor Moon qui commence. La meilleure guilde du serveur d'Hyrule. Bon. Je peux vous proposer une quête pour 900 PV, mais il faut avoir l'oreille musicale. Très bien, on accepte la quête. Le but est simple, vous allez entrer dans les bois tordus, vous aurez plusieurs choix de direction. Servez-vous de vos oreilles et trouvez la sortie. Mais attention, gare au piège. Je serai là-bas avant vous. Mais tu vas faire comment? Eh bien, c'est facile, l'illustrateur va me gommer et me redessiner après. Oh là là, oui, faut que je m'habitue à ce style crayonné. Cette musique, ça vous rappelle rien? Ben, ça rappelle l'épisode 2 de la saison 1 de la guide des Link. Allez, suivez-moi. Si c'est comme dans Coming of Time, c'est droite, haut, droite, haut, haut, gauche. Et enfin, haut.
c'est qui le meilleur, comme dit Toyb? Vous vous êtes trompé de chemin. C'est impossible, on vient du sud. Je viens du sud, Chimène Badi. Donc désolé, mais ce n'est pas le bon chemin. Refaites vos jeux. Mais t'abuses, Link 84. Allez, même joueur, joue encore. Mais je veux le fracasser, c'est pareil dans Ocarina of Time. À moins que... Mais oui, si ça se trouve, le dessinateur nous teste. J'ai ma petite idée, suivez-moi. Nom d'une clé à molette, ils ont réussi. D'habitude, tout le monde se plante. J'ai tout un problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Donc, comme promis, vous gagnez 900 PV. Ah, ça c'est cool, je me sens plus fort et tout le monde a gagné un niveau. Bon, je vous laisse. J'ai d'autres joueurs en attente. A bientôt. Au fait, Link 64, comment t'as fait pour savoir? On veut savoir. Bah c'est très simple. Tous les fans de Zelda ont reconnu le chant de Saria, vous êtes d'accord? Alors j'ai pensé tout de suite, bas, droite, gauche, bas, droite, gauche, et ça a marché, tout simplement. Ouais, ouais, fallait me penser. Miner, il a toujours raison! Ah, encore une feuille blanche. Mais il y a une lettre. Encore une lettre de Zelda? Mais ah, peut pas se débrouiller un peu, j'ai les mains de la sauver à chaque fois. Ah voilà, bon, je vais lire la lettre. Bah oui, on est dans un monde virtuel augmenté, donc c'est pratique. Alors, l'épisode 3 ne sortira que début janvier, et ouais, Link 84 doit bosser un certain... De quoi? Oui, Master 4, d'accord. Et qui doit sortir pour Noël. Alors, merci de votre compréhension, signé le Messenger de MSN. Ah ouais. Waouh! Même MSN Messenger est sur Irul 2.0. Pas mal, ton petit message, Link 84. Mais c'est pas possible! Qu'est-ce qui se passe encore, Link 84? Toujours en train de crier, lui! Allez, j'ai loupé des BZ! Et il n'y a plus qu'un mot à dire, Philippe. Oui, la suite! Au prochain numéro!